H, en vrai, vous savez que H, je pense dans cette game, c'est pas mal, genre. Enfin, là, c'est vraiment pas mal contre leur combo. Même nous, au bot, on va pouvoir vraiment pressure. Pas de cover, du coup, je dois faire des allers-retours pour essayer de voir un petit peu s'il remonte. Oh, poteau. Ah, voilà. Vous savez ou pas? Vous avez dit ou pas, les gars? Vous avez dit ou pas? Ouais, mais... faire tout le tour, du coup. On va vraiment vertical, là. Putain... battu. Ah, ça m'abat, là. À cause de cette hache de merde. Moi, j'ai l'étal, hein, by the way. Moi, j'ai l'étal, les gars. Mais ward! Oh là là, je vais perdre ma l'étal juste parce qu'elle a pas ward. Broken l'étal tempo. Ouais, c'est mort. Je vais pas faire le raid, ce serait abusé. Il a flash pour ça. Je pensais même pas voir ce qu'il a fait, hein. Super. Elle a bien fait de prendre les kills. Je peux start pioche. J'ai eu que 3 assists, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir les kills à chaque fois. Mais il y a eu beaucoup de flash utilisé. Bah, frérot, c'est League of Legends, hein. Tout part parce que ma hache, frérot, elle était en train de jouer au Tamagotchi à côté, là. Elle est partie au WC, mec, elle était sur TikTok en train de poser la pêche. Et ça va, j'ai eu la vivacité de me dire, en vrai, de vrai, pas de cover ici. Maybe ils invade par là parce qu'ils ont Brome Sylas. Ça invade de fou. Genre faut que je fasse des allers-retours pour quand même avoir la vision dans le buisson. Je jure que si j'avais pas fait ça et que j'étais resté ici comme un plouc, ça aurait été très chaud pour moi. Genre elle est en 2-0-2 pour avoir AFK frère. Genre elle est récompensée, tu sais. En vrai je suis content. Genre vraiment j'ai pu voir un angle de Kai'Sa létal pardon. Et c'est très rare que je vois ça. Genre je suis vraiment pas méga fan. Genre enfin je suis pas méga fan. En vrai j'aime beaucoup. Mais je préfère tellement plus Hell of Blade. C'est trop plaisant sur Kai'Sa. Ça sublime son kit. Et là pour en faire une petite game comme ça c'est cool. Allez, c'est bien évité ça. J'ai pris plus de dégâts des sbires que ce que j'ai mis, j'ai l'impression. J'arrive à bien éviter les Q, c'est cool. Ah ouais. Ouais, c'est contre sa mère, frère. Vas-y, c'est nul, c'est nul. Parce que j'ai pas de flash aussi. Allez, je vais prendre ça. Une potion. Je suis abattu. Il va y avoir. Oh putain. Il y a elle là. Putain, c'est qui. Vrai que c'est bien dans la game. Ils vont vouloir me dive là ou il se passe quoi? Ouais. Enfin, là, juste en fait, on se fait. Le placement est ok, mais pas quand il y a Belves et faut qu'on weakside de fou. Et par contre, on est très vulnérable au gank 2. Et non, sinon c'est très fort. Hein. Si on peut jouer la lane et qu'on a du cover et tout, c'est très très fort H contre Brome. Mais faut pouvoir jouer en fait. Par contre, si tu te fais engage, tu te fais turn, notamment sur un 2v3 comme ce qui nous arrive, là bah là ça devient nul. Ça devient de très fort à nul. C'est pour ça qu'on a pas trop envie de weakside, mais on devait weakside parce que notre team gagne en fait. Notre team gagne. Genre si ta team gagne. Et toi, tu peux ne pas mourir sans trop perdre. Et c'était notre cas, tu vois. Bah, t'es censé weakside en fait. C'est une erreur de nous. C'est une erreur de nous. Allez, encore. Ah ouais. Elle était pas très topside, hein. Yeah. Ok. Tant que je scale, tranquille, hein. Vas-y, je peux pas. Ah là, c'est comme ça qu'on joue, allez. Mais il m'a flash in pour me tuer, un Brome pour mourir. Mais bougez pas la wave. Putain, mais ça ne crache pas, Lee Sin. Ça ne crache pas, poteau. Tu comprends ou pas? Putain, ça ne crache pas. Ah, du coup il doit push de wave. Oh, je suis. Bah, je vais aller mid. Putain, il m'a push une wave plus une wave canon. Tu perds du. Oh là 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 là. Ma hint là. Hein. En plus je lui ai dit, moi j'avais l'home guard, je courais cher vite en lane. Ça c'est les moments chiants les gars, c'est quand vous savez pertinemment tout ce qui se passe dans les 30 prochaines secondes. Grâce à votre expérience, parce que bah. Tu joues à des carrés, il lui joue de jungle en fait. Toi t'as l'habitude du rôle. Tu lui dis ce qu'il faut pas faire, il le fait. Il m'a pissé dessus. Mais il quelqu'un. Et là on l'a bloqué. Pète sa mère. Je suis si heureux. Il est niqué. Voilà. Ok, c'est bon. Non, 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 non. Pas dive, pas dive, pas dive, pas dive, pas dive, pas dive. Moi j'ai juste à snipe le Brome. Il a le droit de faire ça là lui. Allô. Non, 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 ah, chatte. Pourquoi elle s'approche comme ça? Après, ça bait, hein. Faut vraiment que je récupère ma wave. Cher bien. Attends, moi je récupère ma wave, je vous laisse faire du swag. Ils ont pas besoin de moi. Super. Ils ont perdu beaucoup, hein. Parce que la wave était pas pour eux. Elle leur a pris une petite taxe en plus, là. La Irelia. Mais je peux comprendre, vu que elle ça pushait pas en son honneur. Allez, je suis back après ça, on touche pas la wave. Et de toute façon, le Sylas perd tout. Le Sylas n'a plus de game, hein. Le Sylas n'a plus de game sur ça, les gars. Il a 2 levels de retard sur la Vex et sur la Irelia, donc sur les solo laners.
j'ai pas eu le kill, non. Ça... J'aurais bien voulu ce petit kill, hein. Bien. Faut un CC. Magnifique. Putain, je suis mort. J'ai maybe joué... Je sais pas, en vrai après l'ulti ça a permis de faire des kills et tout. Pusher, rentabiliser les plaques. Et moi je vais aller push mid. Ouais, j'ai le bread de mon cul, c'est bon, on peut commencer à vraiment jouer les gars. Là je 1v1 le Salas, hein, je l'extermine en 1v1. On s'est un peu sacrifié, en vrai j'aurais pu mieux jouer et ne pas mourir aussi vite. Mais c'est fine. Pouvoir aller faire ma vie en mid lane, notamment récupérer des plaques. Toi tu connais pas Kai'Sa toi hein. Encore Broom. C'est bon. Arrête. Même pas le Broom hein. Enfin d'accord. Putain, c'est une catastrophe là. On s'est autant fait défoncer ? Comment on s'est autant fait défoncer ? Ah, la go Medjay. Ah ouais. C'est pas la bonne idée ça. Ouais, j'ai évité. Putain. Ça va, il récupère. Et ça la smurf. J'ai qu'à du bon côté, je pense. Je suis que level 9 en fait. Oh, tout. Tout. What? C'est quoi ce gnar? C'est un malade? C'est un fou, hein? Là, j'ai évité. On recommence à kite. Mais ils sont en train de hit, les ennemis, là. J'aime quand ça hit. Comment il m'a bait? Oh, il a charmé bien joué, le gnar. Vous avez vu ce qu'il a fait? Je pensais qu'il a les dash de l'autre côté ou genre flash ou quoi? Ah, c'est my bad, hein. En vrai, il m'a brain. Il m'a grave brain. Je pensais vraiment qu'il avait son flash. Parce qu'en plus, le move d'avant, c'est surtout le move d'avant en fait. C'est son erreur d'avant qui m'a fait croire ça. Parce que je me suis dit, il a voulu flash ulti. Parce que sinon, ça n'avait pas de sens. Il lâche pas, il a mis input son flash. Et du coup, il a juste ulti dans le vide. Donc là, je suis en mode, vas-y, c'est bon. Il a fait une fois. Nice. Il a fait une fois là, vas-y, c'est bon, c'est sûr, il va pouvoir ult. Et il va pouvoir flash. En fait, non, il m'a juste brain. Même pas besoin de heal, c'est cool. Mais je sais pas pourquoi il m'a... Au lieu de m'exhaust et de se barrer, il a voulu trade. On aurait pas dû faire ça. Alors, je suis d'accord qu'on peut, hein. C'est plus du 50-50. Et j'ai réussi à éviter. Là. Et ma botte. Il est tu non? Dis-moi qu'elle a lui. Prends les nids avant de mourir. Ouais, c'est bon lui. Deux inhibs. On va aller pressure ça maintenant. Attends, elle est toujours pas morte. What the fuck? Deux, trois inhibs, hein. Go, go, je vais faire ça clean. Ou voudrait que je back? J'ai Masu.
On a gagné la game 100%. Quand je jouais Tempo Portail, les déluges de l'âme sur Kai'Sa. Frérot, moi je te conseille de jouer tout le temps des déluges de l'âme en tant que passionné de Kai'Sa. Je suis vraiment pas méga fan de l'étal. Mais en fait, je pense qu'il y a des angles où c'est free. Genre là, c'était un angle où c'était free parce que regarde leur frontline de malade en fait. Là, c'était abusé. En fait, là, c'était une game où c'était abusé. J'avais free scaling contre Ezreal Brom. Genre, je savais que j'allais pas trop jouer la lane dans tous les cas. Du moins un peu. Donc, je te juste en dose unique, sa mère. Je vais scale, je prends de l'étal. Faire un stuff qui fait des. Putain, faut j'ai beaucoup de sous. Je vais pas en attendre. En vrai, juste, je prends pas de ping. Parce que de toute façon, y'a rien à ward. On va juste fight. Pourquoi vouloir acheter des pings toujours? Oh, j'ai des pings, jamais cool, je m'accro. Ah, c'est bon, vas-y, frère. On va juste aller tout droit. Y'aura zéro vision à jouer. Prends une potion, on gagne la game. Voilà. Tu vois, l'étal, ça sert à ça en fait. Ça sert à faire ce que je fais là, les gars. Ça sert à faire des fights comme ça. Bon, là par contre, le Gnar il nous a défoncé. Ça va qu'on gagne comme la game. GG! On gagnera. Ah, je sais pas, il y a beaucoup de CS. On a pas réussi à tous les tuer. Est-ce qu'un petit CS va réussir à taper? Ça tape, hein? Moi je pense qu'on peut gagner. Ça me tue. Lord versus zombie, les gars. Ils y arrivent, hein? Oh là là! Oh putain! Ok, GG.